Cool, LOL, MDR, PTDR, pour les langages texto, bienvenue. C'est pas à moi qu'il va vous falloir vous adresser. En tout cas, bienvenue à vous, chers internotateurs et internotatrices, pour cette Trictrac Télé spéciale texto fun avec Madame Mathilde. Bonjour Mathilde. Salut, ça va? Bienvenue. Tu textotes? Pas tant que ça. Pas tant que ça, finalement. Hein, oui, moi non plus. Puis quand je textote en français. Alors, on est supra long et tout. Ouais. Oui, c'est ça, dépassé par. Alors, texto, c'est un jeu qui est à venir chez Gigamix. C'est pour ça que Mathilde est avec nous. Petite boîte, à venir tout bientôt ? Septembre 2015. Donc on est encore un petit peu en avance si vous regardez cette Trictrac Télé en ce début 2015. C'est un jeu de très haut game designer. Ça, c'est très particulier comme nom d'auteur. C'est un groupement en fait d'auteurs. D'accord. Ils sont trois. Ah, ils se sont mis à trois pour texto. Ils sont mis à trois pour texto. Des fois, le plus simple, tu sais, c'est le plus compliqué. C'est vrai, c'est souvent le cas. Les illustrations sont de Stéphane Escapa. Escapa, je ne l'oublierai pas cette fois-ci. Et donc, c'est un jeu assez simple à partir de 6 ans, oui. Hein, visiblement. Je pense qu'on peut faire le concours de la Trictrac TV la plus rapide. La plus rapide. Ah ben, ouais. On va tenter alors. Donc, de 2 à 6 joueurs pour des parties de 10 minutes. Et je pense qu'on peut même aller plus vite que ça. Je vais mettre la boîte de Texto Wistiti dans le 2 verre de Trictrac. Et je t'écoute, c'est parti. Eh bien, alors, hop, c'est facile. On a des cartes sur ces cartes. Donc, soit il y a une catégorie qui est d'une certaine couleur. Okay, d'accord. Et quand on la retourne, bidibim, nous avons des lettres. Ok. Le thème qui est là est d'une couleur qui correspond à une lettre qui est là. Donc, le premier à dire le nom, en l'occurrence, d'une ville qui commence par un G, gagne la carte et on continue. D'accord. Donc, jeu de rapidité. La lettre est indiquée par là. Ça, par contre, le premier, on s'en occupe pas. C'est juste celui qui est là et qui correspond à la lettre. Ouais. Bon, bah, alors, ok, c'est parti. Guantanamera. C'est une ville, ça, Guantanamera? On va dire que oui. On va dire que oui, d'accord. Donc, allez, je pense celle-là. Tu penses celle-là. Ok, cool. On continue. Une célébrité par un cas. Kevin Spacey. Ouais, ok. J'allais dire Kasparov. Ça compte. Un prénom. Daniel. Attends, laisse-moi réfléchir. Végétal. Bruyère. Quoi? La Bruyère. Ah oui, d'accord, ok. J'allais dire c'est un fromage. Un objet par un cul, une queue, non, ça marche pas. Une casserole, non plus. Si, la queue de la casserole, mais ouais, une queue de pie. Non, c'est un habit, c'est pas un objet. Ouais, on est encore une carotte, ça s'écrit pas avec un cul. Alors, si on trouve pas au bout de 20-30 secondes, eh ben, on en remet une autre en jeu. Celle-là, elle sera gagnée par le suivant. Ah, d'accord, okay, ça fait alors, un double. Zou, un pays par un O. Australie, non, ça marche pas. Hollande. On est en langage texto, je suis sûr que ça passe. Tarsi. C'est pas un peu. Il y a des pays. Oslo. Non, c'est une ville. Non, c'est une ville. Tant pis. Vas-y. Un pays par un R. Roumanie. Non, j'allais le dire. Tant pis. Ah, tu gagnes pas les trois, du coup. Ah oui, du coup, les trois. Ah oui, c'est ça, tu te fais un max de points. Et bim. Et bim. Un métier par un B. Boulanger. Boulanger, très bien. Tu me réveilles. Un animal par un R. Ragondin. Zut, trop long. Ça y est, je suis en. Quoi? Film, télé, c'est aussi Avenger. Une vidéo. Voilà, très bien. Non, mais en fait, je te laisse expliquer et comme et ça, après, moi, voilà, c'est moche. Nourriture par un Z. Les Z-Balls. Non, ça s'appelait pas comme ça, les Z-Balls. Les petites saucisses, là, tu sais, les saucisses. Non, c'est Knacky Ball. Ouais, c'est la raison, c'est C'est quoi? Il n'y a pas des zigougouis, il n'y a pas des bonbons en zoupeta à la réglisse. Des bonbons en zouplapla. Les allez, tant pis, bah, je suis pas. Ah, c'était très bon. Un pays par un E. Estonie. Éthiopie. Non, mais non, on ne sait pas, donc on continue. Célébrité par un U. Ukraine, non, c'était le pays, c'était le coup d'avant. Uranus. Usain Bolt. Ah, bien, ça roule. Très joli. Hop. Très joli. Prénom par un K, Kevin. Zou. T'avais déjà spécifié tout à l'heure. Ville par un H. Helsinki. Très bien. Un animal par un O. Otari. Otari, très joli. Je l'ai dit tout à l'heure, impeccable. Végétal par un L. La laitue. La laitue, allez. Ça passe. Film par un F. Fuck la brûle. Attends. Ça marche aussi les jeux vidéo. Hein. Ah, c'est vrai? Oui, film, TV, jeux vidéo. Film, TV, jeux vidéo. Attends. Franklin la tortue. Ah oui, si. Un peu d'âge, si, Franklin, si, c'est très bien. Très bien. Un métier par un L. Je vais mélanger un peu parce que c'est pas le un métier par un L. Lustreur, ça existe lustreur, ça? Lustreur, non, mais tu passes ta vie à lustrer, là. Sérieux. Ben non, mais pas forcément lu.
Laitier. Bon, j'ai triché parce qu'il y avait la tric-trac, t'es là. Comme... Ah, c'est moche, vous avez pas le droit de l'aider. Allez, prends ton laitier. Bon, j'ai triché. Merci, merci beaucoup, monsieur Eto. Un objet par un. Mais c'est nul, parce que je suis sûr qu'il en existe plein. Un nœud. C'est pas un objet, un nœud. Non, c'est pas un objet. Même une tête de nœud, c'est même pas un objet. Non, bah non. Une affiche. Une affiche. Un abribus. Si, attends, mais il y a forcément. Bon. Une assiette. Arrête avec tes liaisons à la. Non, moi, le nœud. C'est ça. Bah, zut alors. Bah, tant pis. Hop, au Nabila. Nabila, ce n'est pas un objet. Oh, bien. Métier par un O. Ouvrier. Oui. Ça marche. Bon, oui, ça marche. Allez, c'est allez. Tout à fait respectable. Et une nourriture par un T. Tacos. Ah, très bon. On va pas au Tex-Mex, mais très bon, très bon. Célébrité par un S. Je suis nul. Sharon Stone. Ah, oui. Oh, oui. Tu fais la voix aussi, c'est cool. Finité par un H. H. Bah, oui, H. D'accord. H. Ah, tout à l'heure. On peut jouer jusqu'à 6. Végétal par un E. Oui. Végétal par un E. Oh, non. Églantine. C'est une fleur, l'églantine. Un églantier, l'églantine. Ou un églant. Oui, t'as raison, une églantine. Si, ça passe. Une ville par un F. Francfort. Oui, d'accord. Donc, du coup, j'ai la saucisse maintenant. Animal par un K. Un quoi, là? Végétal par un P. Potiron. Potiron. Animal par un P. Un porcinet, non? Popotame. Un popotame. Porcinet. Un porc. Porc. Ah, oh, bah oui, porcinet. Quelle andouille. Film N. Bienvenue chez les chenilles. Film. Néron, non. Il n'y a pas un film qui s'appelle Néron. Non, c'est pas Néron. Il y en a peut-être un. Néron. Ouais, vas-y, on passe. Métier par un dé. Ça, c'est plus facile, petit bac. Ouais, par un dé. Dentiste. Drapier. Drapier, c'est un métier ancien. Bah oui, mais si, je suis sûr qu'ils étaient drapiers avant. Animal par un L. Un léopard. Oh, oui. Nature par un H. Ouh. Oh, bon sang, mais pourquoi tu. Du hachis parmentier. Oh, très bien. Un pays par un W. W. Washington. Non. La Nouvelle-Ouélande, mais. La Wallonie. C'est un pays, oui, la Wallonie. Ça marche. Allez, c'est une partie. Allez, on le prend. Célébrité par un D. David Guetta. Oh, la classe. Tu es jeune, toi. On s'est retrouvés à Ibiza la semaine dernière. Célébrité par cool. Un D. Objet. Objet par un D. Un dentier. Oui, d'accord. C'est rigolo, ça marche par association d'idées. Oui. Carpentras. Très bien. C'est une ville. Végétal par un X. Si vous arrivez à jouer avec vous en même temps, waouh. Végétal par un X. Il y en a plein, parce qu'avec les noms latins, truc et bulle, Xanthéus, Xanthéus. Xanthème. Un cri Xanthème. C'est un objet, Crix et Xanthème. Non, je ne l'ai pas. On l'a pas. Prénom. Mathieu. Mathieu, en fait. Mathieu. Non, ça va être trop évident. Une lampe. Oui, pas oui. Oh, pétard. Oh, pétard. Ça fait fumer le cerveau. Voiture par un i. Oh, j'ai très envie de manger un i. Un Irish coffee, mais c'est pas de la nourriture, c'est une boisson. Ouais, c'est vide. Ça se mange, ça se boit. Bon sang, j'ai envie de regarder. Un hibiscus, non, on mange pas. En i. Non, ils l'ont pas encore trouvé. Ils ont pas trouvé. Donc, c'est bon, on va leur tourner, c'est pas grave. Un pays en paix. La Polynésie. Très bien. Allez, on est presque. Un film, par un P. Film. Tout va bien, ne t'en fais pas. Ça n'existe pas, ça? Ça existe? Si, c'est bien. Moi, ouais. Ça me parle. Oh, allez, tout va bien. Je ne l'ai peut-être pas vu, mais tout va bien, ne t'en fais pas. Métier par un R, roturier, non, c'est pas un... Non, alors là, pour le coup... Non, bah là, non. Non. Un rotofileur. Non, ça n'existe pas, ça n'existe que dans l'administration. Un renégat. Un renégat. Non, c'est pas un métier non plus. Ragondin non plus. Non, non plus. Tu l'aimes bien, Ragondin. Moi, j'aime assez le Ragondin. C'est un univers sympathique. Tant pis.
célébrité par un W. Oh là 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 là. William Shakespeare. Ah ouais, mais tu l'as déjà en même temps. Non, en même temps, tant pis. Payé par un K. Oh, mais c'est pas vrai, mais arrêtez avec ces lettres. Non, le Kansas. Ah, bah si, c'est un... Pays-État. Allez, 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 allez. De toute façon. Oui, je sais, il faut que je me rattrape. Métier par un S. Métier par un S. Salope. Il y en a qui en font leur métier. Ah, c'est vrai, exactement, exactement. Si encore on a animal avec un J et jaguar derrière, c'est trop cool. Ah non, c'est cougar, pardon. Métier. Qu'est-ce qu'ils font sur les... Tu veux illustrer encore des trucs, toi? Non, moi, je l'ai... Non, c'était sur les murs, mais c'est pas avec un S. Bon, bah, je l'ai pas. Non, bah, tant pis. Tant pis. Nourriture par un R. Ah, c'est terrible. Le ragoût de... Du ragoût de, OK, de, ça passe. Ragoût tout court. Ragoût tout court. Ragoût tout court. F, par un F. Un fer à repasser. Ah, j'ai un fil, c'est pas possible. Un prénom X. Xavier. Xavier. Ah, pop, 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 pop. Nourriture par un Z. Oh. Oh, mais c'est pas vrai. Mais bah non, mais on a re-deux zigougouis, là. Nourriture en Z. Oh, il y avait un truc de... Le zébu, ça se mange. Bon, allez. Tant pis, on passe. Métier par un cul. Oh, un métier en cul. Il y en a, mais... ça commence pas par un cul. Ça commence. Un métier, un qualifié, un ingénieur. Oh, ingénieur qualité. Ah oui, ça aurait pu, mais non, allez, vas-y. Non, pas tant pis. Alors. Prénom. Par un W, William. On n'a pas le droit de dire deux fois le même. Ah, non, c'est pas dans pas le même thème, allez. Ville en J. Johannesburg. Ah oui, bien vu. Très bien. Vu. Elle me sort. Une célébrité en P. Patrick Sébastien, mais. Oh bon, la classe. David Guetta et Patrick Sébastien, mais quelle culture. Non, mais c'est parce qu'avant de dormir, je prends toujours une petite... mais voilà, non, tu fais tourner des serviettes. C'est ça, c'est ça. Prénom en V. Valérie. Bah oui. Un végétal en U. U. Oh. Qu'est-ce qu'il y a en U? C'est terrible, cette rapidité, cette pression qu'on a. Non, non, bah, je ne l'ai pas. Une ville en Y. Attends, si, si. Yoshiata. Non. Une ville en Y, je ne l'ai pas. Tard. Un film TV en T. Touche pas à mon poste. Une émission de télé. Ouais. Ça roule. Et donc il reste qu'une carte, donc elle n'est pas jouable. Donc du coup, bon, on compte. Je me fais exploser. Un. Ok, c'est mort. Regardez-là. Oh, tous les points que j'ai. 26. Comme un bêtise, Nadine. 24, 26, quelque chose comme ça. 25, oui, mais t'as été gentil. Enfin, de toute façon, non, 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 pas du tout. C'est Texto à venir en septembre 2015 chez Gigamic. Ça se joue à partir de 6 ans. Comme vous avez pu le voir, c'est une petite, on peut dire, c'est une petite déclinaison petit du petit bac, entre guillemets, mais avec le côté rapidité qui fait que voilà. On est là comme des andouilles. Comme un poisson rouge dans un bocal, ça se joue jusqu'à 6, on peut même jouer en équipe, j'imagine, on fait ce qu'on veut. Oui. Ça dure 10 minutes, comme vous avez vu, c'est rapide et c'est intense. C'est un jeu de très haut game designer parce qu'ils se sont mis à plusieurs, quand même, pour imaginer cela. Et on connaît déjà le prix, hein. Non, pas du tout. Et 10-12 euros. 10-12 euros dans toutes les bonnes boutiques. Merci Mathilde d'être venue nous présenter. Merci Texto. Et puis, ben, je pense que vous avez déjà joué, donc vous pouvez continuer de jouer. Maintenant, Texto, c'est à vous de jouer. Salut.